Bonjour, bonsoir à tous. Madame, monsieur, nous vraiment contents pour entrer la caillou. Aujourd'hui, il y a dans le cadre de présentation bulletin d'information. Ça, pas oublier ou sous channel pour là qui c'est TAC Info. Abonnez avec page non, si vous pouvez abonner avec elle. Likez, commentez, partagez et invitez vos amis ou abonnez avec page là. Aujourd'hui, nous allons parler de diaspora. Nous allons parler de un dossier qui est vraiment important. Un dossier que nous avons suivi depuis bien longtemps avec un pile intérêt. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de mettre les pieds noirs à terre. Situation interpellée nous pour nous parler de dossier diaspora. Situation interpellée nous pour nous parler de et intégralité diaspora, partition diaspora dans la musique qui a joué dans le pays. Madame, monsieur, sorti 2010 pour arriver 2020, diaspora haïtienne voyait environ 10 milliards de dollars américains. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Haïti recevoir 10 milliards, environ 10 milliards de dollars américains qui sortit dans plusieurs pays dans le monde là. Pas seulement les États-Unis côté en pile haïtien gen moun. Mais l'agence a sorti dans un pile pays dans le monde là. Environ 10 milliards de dollars ça t'a supposé servi pour porter un développement durable dans le pays d'Haïti. Environ 10 milliards de dollars ça t'a supposé by Haïti un coup de push. Malheureusement, c'est contraire à qui fait. Environ 10 milliards de dollars ça, c'est transité, li transité dans le pays d'Haïti. Li passé. C'est un coup moins ba ou yon bagay à mes droites, m'pran à mes gauche. Madame, monsieur, nous pas gagné l'école. Nous pas gagné l'école qui fiable. Nous pas gagné yon bon université. Nous pas gagné un bon hôpital. Nous gagné un système de santé qui a été plate. Est-ce que je suis capable de dire bon, bon, moi, je dis, malgré tout le monde, moi, je dis, parce que tout le monde dit, nous pas gagné l'État vraiment qui est responsable, qui prend responsabilité en main. Nous pas produit rien. Si nous te produit, t'es capable de gagner l'autre bagaille qui t'es fait. Malheureusement, nous pas produit rien. Environ 10 milliards de dollars, li passé en Haïti, mais il pas arrêté. Est-ce que environ 10 milliards de dollars ça fait un bagaille pour payer d'Haïti? Non, il pas fait rien. Au contraire, environ 10 milliards de dollars ça, li fait mal à pays. Il fait tort à pays. Nous allons expliquer nous comment il fait tort à pays. Premièrement, pour nous manger, nous sommes obligés à acheter une série de bagailles là à Saint-Domingue. Tout ça nous besoin c'est Saint-Domingue. Ou bien les États-Unis. Nous pas produit du riz. Nous pas produit rien. Tout ça nous besoin c'est vous faire commande là États-Unis ou bien Saint-Domingue. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si comme qui rentre là nous prenons, nous voyons le Saint-Domingue. Dans l'acheter dans mail et ben tout comme ça à joindre Saint-Domingue. C'est comme si moun qui diaspora nous gagne yo prend comme ça yo voyez Saint-Domingue. Mais puisque yo pa gen moun Saint-Domingue, yo voye le ba nou ici, nous même, nous voye le ba dominicain. Ou bien, nous revoye le ba blanc encore. Parce que pour nous mettre un soulier dans pied nous, pour nous mettre un tennis, pour nous mettre un bel maillot, une belle chemise, pour faire ouais, pour faire grand pampan, nous obligé à l'acheter Saint-Domingue ou bien les États-Unis. Nous pa gen cordonnier encore. Nous pa gen moun kap coudre rad encore. Nous pas de monde qui fait soulier. Nous pas de monde qui fait casquette. Nous pas de monde qui fait chapeau.
Si nous avons des gens vraiment qui t'a fait chapeau, qui t'a fait soulier, qui t'a fait rad, monsieur est certain, qui t'a planté la tête tout, monsieur est certain, environ 10 milliards de dollars, ça, t'a fait quelque chose pour le pays d'Haïti. Madame, monsieur, la situation dans laquelle Haïti se trouve est vraiment catastrophique. Il est temps qu'il est l'heure pour nous prendre ce pays ça en main. Il est le temps pour nous agir. Agir dans le bon sens. Ce que nous devrions faire, il faut le faire. Et maintenant, si nous avons planté la terre, nous avons cultivé, nous avons planté diri, nous avons fait comment diri. Si cob qui vient, il n'a pas joué un cultivateur, il a acheté ses semences, il a planté la terre, et comme ça, il a servi pour le développement du pays. Nous ne sommes pas obligés à Saint-Domingue. Si nous avons un problème de santé, nous avons agi. Nous avons à l'hôpital dans le pays. Nous avons joué un monde dans le pays qui peut prendre soin de nous. En regardez bien le cas de Joe Lambert, l'animal politique. Joe Lambert malade, malgré capacité sur le plan politique, parce que c'est un animal politique. Par contre, l'hôpital en Haïti qui géré le sénateur Joe Lambert. Il est obligé de quitter le pays pour l'autre côté. Mais, si nous avons l'hôpital, nous avons un bon centre de santé, est-ce que Joe Lambert a quitté le pays pour l'hôpital de l'autre côté? Mais non! L'argent de Joe Lambert, l'argent de Joe Lambert a dépensé dans l'autre pays pour l'état santé. Il t'a dépensé dans le pays d'Haïti. L'argent ça, nous t'a joindre pour faire le pays à marcher. On regarde le cas de Narum Marcellus. Sénateur Narum tombé. Pas gon l'hôpital dans le pays d'Haïti qui est capable de résoudre le problème par là. Il est obligé de prendre un courrier avec elle. Prendre un avion, voler avec elle, aller bal la vie. Mais, qui ça, ça est-il? Ça veut dire qui ça pour vous? Monsieur, les dirigeants, les hommes de loi. Gardez tête nous en glace. Est-ce que nous sommes fiers de tête nous? Pendant la gouvernance, nous n'avons pas fait un bon centre de santé, voire pour un bon hôpital. Mais, gardez bien pour vous si ce n'est pas, si pas nous qui sommes victimes. Gardez bien pour vous si ce n'est pas nous qui sommes victimes. Les nous malades, ils sont obligés de voyager avec nous. Et si pas de possibilité pour vous voyager avec nous, vous allez mourir. Il y a une série de maladies, c'est goto rien que faire. Si malheur n'est pas fait. Pourquoi, monsieur, nous avons raison de plus pour nous produire, pour nous faire l'hôpital, faire centre de santé. Université. Nous n'avons pas de université dans le pays. On regarde bien si nous avons une université, une bonne université vraiment. L'argent qui a sorti Haïti pour aller Saint-Domingue, il est utile dans le pays. Les parents qui ont voué l'argent aux États-Unis, nous avons proches, nous avons une famille, nous avons un petit frère, nous avons une petite soeur, nous avons étudié Saint-Domingue. Mais l'argent, ça n'a pas voué aller Saint-Domingue tout. Est-ce que l'argent a été le pays d'Haïti? Non. Cadre ça yo kal formé dans l'autre pays. Est-ce qu'il retourne? Non. Yo peur. Insécurité, instabilité politique. Y a kidnappé moun a mouri. Eh bien, nous lagué aux abois. Nous livrer à nous-mêmes et avec des bandits. Des bandits de grand chemin, sans foi ni loi. Environ 10 milliards de dollars. Sorti 2010 pour arriver 2020. Qui ça le fait pays ça? Qui ça le fait pour pays d'Haïti? Rien. C'est ça fait me dire à chien dans le blanc malgré toute bagaille que nous avons reproché. Président Jovenel Moïse, barrage Rivière Marion, c'est un bagaille quand même. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Si nous avons gagné au moins une vingtaine comme ça dans le pays, pour user jardin pour paysans, pour planter manger,
pour du riz fait, pour maïs fait, pour cacao, pour nous jouer une canne, pour nous faire sucre, pour nous planter pitimi, pour nous planter pois, pour nous jardin. Eh bien, monsieur, et certain, les nous manger en quantité, nous pas besoin à l'acheter du riz États-Unis. Nous pas besoin à l'acheter Saint-Domingue. Parce que nous avons des bagages qui sont bien. Même citron, non, on a acheté Saint-Domingue, c'est vraiment dégoûtant. Hein? C'est vraiment dégoûtant. Est-ce que environ 10 milliards de dollars, ça est-il payé, non? Au contraire, ils ont passé Haïti pour aller Saint-Domingue et retourner les États-Unis. Madame, monsieur, diaspora, nous comprenons. Les gens qui ont quitté Haïti, c'est entrailles, non? Nous-mêmes, nous sommes là. C'est vrai que les gens dans la diaspora ne pas compter ça. Parce que vous faites là-bas, les parents sont allés, vous faites là-bas, vous tout arrêté là-bas. Vous ne pas compter ça. Mais je dis non, bagaille. L'argent, ça, qui vient joindre Haïtiens dans le pays d'Haïti, il fait un pile mal. Il fait société à mal. Et très mal. Comment fait société à mal? Imaginez-vous bien. Il y a une série de jeunes. Puisque vous connaissez maman, vous papa, vous États-Unis, la France, le Canada, dans l'autre pays, vous n'avez tout pas travaillé encore. Vous n'avez pas cherché de travail encore. Ils ont été là, dormi, bre, manger, boire, dormi, lever, flâner, filer femme, fait tout ce qu'on est possible, fait tout ce qu'on est. Mais jamais décider à le travail. Ou bien décider à prendre yon bagay. Espoir yo, c'est maman yo, papa yo, ou bien yon frère yo, yon matante yo, yon cousin, yon cousine. A voué comme pour yo chaque mois, et bien comme ça, les yo prennent, yo achete manger, yo achete bel rad. Bon, si nèg la gen plusieurs femmes même, faut l'acheter bel rad pour faire femme well, et bien, si comme ça, passe. Mais comment comme la passe? Et nèg sa li même, li pa regle an yen pou tèt li. Imaginons yon nèg comme ça, chaque jour passe, c'est l'âge kap monte. L'ap grandi, li pa gen yon profession nan mèl. L'ap grandi, li pa à l'école, li pa cultive, li pa savé. Nèg sa bientôt. Sa ka rive ou el rete, el rete, el rete, el rete. Pa jam gen possibilité pou l'aller. Parce que gen nan yo paran yon kon voye chache yo ale. Yal travay nan pays blanc. Ki jan yo travay? Al passe mop, al fonse de al cake tomate. Pendant ce temps, yo te ka fè nan pays yo. Imaginons nous gagnons environ 10 millions de jeunes comme ça. Pour ne pas trop exagérer, bon, nous disons 2 millions de jeunes comme ça. Qui a venu payer ça? Diaspora, je m'adresse à vous. On apprend à faire jeunes dans le pays d'Haïti. Prendre destin en main. On fait dépendre de vous. On fait connaître. Possibilité pour sortir, c'est eux-mêmes. Bouton, manette là. Pas une baguette magique. Manette là. Possibilité pour sortir, c'est dans main lié. C'est eux pour décider. Si vous mettez espoir chaque mois, chaque semaine, n'a voué comme pour yo, yo pas travail. Nèg la konnen maman n'a voué comme pour lui. Ti kob la, li la gèl nan bwè klerin, al nan programme, al nan disco. Al nan piscine, achete bel rad, pren plaisir, gen plusieurs femmes, lap trip. Lap trip. Et l'autre qui pa gen capacité pour résister à une série de bagay, lèl gade li wè ti Jean, ou bien ti Jacques, ou bien ti Pierre, qui gen moyen kap bien viré, et li toujours frais. Il toujours une femme bon côté lui, toujours une femme avec elle. Sans le pas connait que ti Jean bien ti Jacques c'est maman ou bien papa qui a voué comme pour les États-Unis, qui sont pas reçus, qui a dormi levé, qui a boit,
qui va faire rien, les militaires même avec Tijon bien Tijac. Li pa gen papa les États-Unis, pa gen maman les États-Unis ou bien dans l'autre pays pour voyer l'argent bali. Et lui même qui levé dans un pays côté pas joindre moun qui te dit mon meilleur cahier, meilleur plume, mes crayons à l'école. Apprendre li à écrit, apprendre un métier pour ka défendre tête ou pour ka utile société ya. Parce que ou appelé pour gon famille ou appelé pour gen madame ak petite tout. Li pa gen chance ça, li pa gen possibilité ça. Eh bien, lui-même, il n'a pas le choix. Et s'il joue des politiciens qui utilisent le balzam pour bloquer la rue, pour soutenir les élections, pour prendre le pouvoir, bah, yo, eh bien, Zam ça qui n'a pas le choix, il va utiliser le tout pour faire kidnapping, pour casser pour être monde, pour jouer une cob, pour faire border, pour jouer une cob, pour faire Shelby. Pour faire femme ou ayo. Madame, monsieur, je n'ai pas de problème avec nos diaspora. Mais je demande nous essayer de gérer les choses d'une autre façon. Gérer les choses d'une autre façon. Je ne dis pas nous pas voir comme les gens en Haïti encore. Ce n'est pas samedi. Mais repensez les choses. Vous avez des enfants, vous avez des nièces, des neveux, et même des cousins, cousines en Haïti. Toujours faire connaître que vous n'avez pas de cabali chaque jour. Toujours faire connaître que quand vous êtes dans le pays États-Unis ou dans l'autre pays, dans le monde là, ce n'est pas à terre où vous avez ramassé l'argent. C'est dans la misère. C'est dans la vie de vous avez fait comme ça. Toujours encourager les mêmes. Pour apprendre un bagage, pour aller à l'école, pour former tête, pour le bon métier. Et c'est celle possibilité qui gagne pour affronter la vie. Je ne vous dis pas, situation vraiment grave. Je ne vous dis pas de travail. Je ne vous dis pas livré à vous-même. Mais nous sommes capables de crier. Malgré l'instabilité politique qui gagne. Nous sommes capables de crier, monsieur. Cherchez un bagage pour faire. C'est vrai, l'insécurité a un problème. C'est vrai, tout le monde peut prendre la rue. C'est vrai, tout le monde peut investir. Mais, est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas partition par nous pour nous jouer dans la musique ça? Est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mission par nous? Madame, monsieur, la situation est vraiment compliquée. Cette situation nous interpelle. Il est temps d'agir. Nous pas qu'à quitter le pays à braler comme ça. Chaque monde doit jouer partition par eux. Diaspora, Haïti, c'est pour tout. C'est là qu'on l'ombre tout enterré. Haïti, c'est pied banane. Quel que soit Jean Saïe, même après 10 ans, on a tourné. Puis, on a fait pousser, on a papillé, on a dans divers horizons. Tôt ou tard, un jour, on finit par venir mourir dans le pied. Il y a un jour, on vient coucher, on a sous le pied. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire. En pote kole, nous même diaspora yo, pour nous changer pays ya. Nan sens pa nou. En oriente jeune nou yo, petit nou yo. Parce que nègla li même, li konne li sou résidence, maman lobbo, papa lobbo, li sou résidence, li pa l'école encore, li pa travail. Li pa chèche travail li fait. A il retap ton résidence. Imagine ou, je ne sais pas l'école encore, il n'y a pas cherché au travail, il fait. Il a obtenu une résidence. La résidence a fait 10 ans, il n'y a jamais tombé. Eh bien, je ne sais pas, il a perdu 10 ans en ville. Et 10 ans, il n'y a jamais joué encore. Monsieur, on a fini à payer. On repense les bagailles. On repense les bagailles.
jeunesse là ensemble avec nous nan intérêt nous on pas en bête noire yon papa chatillon petite qu'elle remet moun ki ra les oreilles ou c'est moun ki remet ou c'est moun ki veut faire effort moun ki toujours grien dans avou k'ap bo blague malgré fait ça qui mal c'est li kraye ou mais moun ki veut faire effort li ra les oreilles ou papa chatillon petite qu'elle remet m'ta remet yon classe de jeunes k'ap immergé. Nous avons une classe de jeunes tant que les jeunes qui ont émergé tant que les jeunes chinois. Nous sommes vraiment intelligents, monsieur. Nous sommes extrêmement intelligents. Nous avons fait pile bagaille. Jeunes haïtiens, ça, moi-même, ouais, moi-même. Nous sommes extrêmement intelligents, monsieur. En profiter, en exploiter l'intelligence, nous, dans le sens positif. Nous mettons chapeau bas devant. On série des jeunes qui bandit. Monsieur m'a pile respect pour nous. Étant que bandit, étant que kidnappeur, m'a pile respect pour nous. Pour qui raison? Nous qui avons capacité d'intelligence qui vraiment avancée. Et nous avons pile bravo la caille nous. À ne pas oublier ces bravo ça yo. Il ne faut jamais oublier. Bravo ça. C'est lui-même qui a la moitié gagné, qui t'a animé. Qui t'a dit en avant, monsieur, boulette la si poussière. Qui pas de jambe peut avancer. Papa Nation, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, qui t'a gagné pile courage, en pile bravoure pour affronter les Blancs. Eh bien, monsieur, nous avons courage ça, monsieur. Nous avons pile respect pour nous. Mais en utiliser le bon sens. Intelligence, non, monsieur, en utiliser le bon sens. Pour qui raison me dit nous intelligents? Imaginez-vous bien. Yon n'est qui pas à l'école du tout. Qui vit dans le ghetto. Qui pas de connaître les âmes. Ou bien ça, yon M14. Yon AK47. Yon Galil. Yon Kadashnikov, n'importe, même pas qu'on yon bien. Yon 9 mm. Li démonte le pièce par pièce. Et rapide, li remonte le. Il tire bien. Des francs tireurs. Mais qui pas passer dans l'académie, qui pas passer même dans l'académie policière là en Haïti? Et faut que moi dis, gen nèg qui passe dans l'académie police la Haïti qui par un franc tireur devant nèg sa moi ce sont des francs tireurs à quelque soit distance ou il a bon yon balle dans tête parce qu'elle maîtrise ça la faire bien mais imaginez nous yon nèg comme ça qui pas jamais à l'école qui pas jamais passer aucun côté qui apprend maîtriser un zame comme ça il mérite respect son talent quand même monsieur talent ça on utilise l'autre façon. Nous avons le respect pour nous. On fait bagarre pour l'autre gens. Le moment est venu. Couper tête boule caille, ce n'est pas la solution. On cherche la solution de l'autre façon. On conscientise la tête nous. Puis gros juge qui existait, il est la conscience. On conscientise la tête nous, monsieur. Gen monte la caille nous, monsieur. Peu importe. Haïti, c'est pour nous. Zam sa yo, on utilise ou non l'autre façon. On crée propre activité, nous. Monsieur, on agit. Pays a c'est pour nous lié. Si nous pas agi, l'histoire a jugé nous. Et même les. Nous traverser. Nous ne pouvons jamais en paix. Nous avons toujours des problèmes côté la pierre. Parce que ça nous quitte derrière, c'est vraiment lourd. Madame, monsieur,
en agir. Le pays a besoin des hommes forts, capables d'agir, capables de dire la vérité. Appelle un chat un chat. Monsieur Diaspora, on repense les bagailles. L'argent nouveau est à l'appareil de payer rien. Même si famille nous, c'est quelques graines qui sont intelligents qui font bagaille avec elle. Quelques graines qui sont intelligents qui font bagaille avec elle. L'autre qui n'est pas intelligent, il prend plaisir, boit bière, file les femmes, acheter belle rade. Il ne règle rien. Je ne dis pas que nous ne sommes pas voyés. Je ne dis pas que nous sommes toujours voyés. À des conditions. À des conditions. Avec conditions. Avec conditions. Parce que nous voulons construire un pays. Pour un développement, il faut des règles. Il faut des règles. Il faut des principes. Haïti pas un savon. Nous avons un bel pays, monsieur. Pas écouter les gens qui disent que le pays est invivable. C'est nous-mêmes qui causons invivable. On met des principes. On met la haine sous côté. On apprend à tolérer. On apprend à pardonner. À faire hey pour hey, dent pour dent ça. La fin avec nous. A fait, ça fait cochon, pas ça fait cabrit. La fin avec nous. Eh bien, on repense les bagailles. On suspend mettre les gens sous côté. On ouvre la porte là, par l'autre monde qui doit rentrer. Moun ki gen kapasite yo ba yo rentre. Monsieur, mwa di nou bagay. Ou est si nou mette la peine en pays sa? Pays ap vin douz. N'a fait plus kob. N'a vive pi bien, n'a vive pi longtemps. Bonjour, bonsoir à tous. Madame, monsieur, ça a été un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Pas oublier, abonnez avec page là qui c'est TAC Info. Commenter, partager et toujours activer cloche notification pour toutes dernières informations. Bonsoir, à la prochaine.